Salut, je m'appelle Stella de Francesco, j'habite à Nautalie dans la région de l'Estrie. Je suis à l'école de la Passerelle à Waterville. Puis je vais vous présenter comment faire un bracelet de survie. On a besoin de quelque chose pour mesurer, quelque chose pour couper, quelque chose pour brûler. Puis la corde s'appelle une paracorde. La corde que je vais utiliser a 7 petites cordes dedans. Et on peut utiliser les petites cordes pour la chasse, les trappes, la pêche, un arc, un abri. Ça peut être utile pour beaucoup de choses. Pour déterminer la longueur de la corde que je vais utiliser, il faut déterminer la circonférence de mon poignet. Puis pour un pouce, il faut avoir un pied de corde. Ce bracelet a un 4 en 1. Il y a la boucle, la pierre à feu, la lame et le sifflet. Pour commencer mon tressage, j'ai d'abord fait un nœud simple pour relier les cordes. Puis, comme vous voyez, j'ai commencé mon bracelet. Puis, maintenant, je dois faire ça. Le mettre par-dessus, puis après le repasser en dessous. Et quand je le resserre, ça fait une autre tresse. Maintenant, on va faire la droite. C'est le même principe. Il faut juste faire la même chose, mais de ce bord-ci. Puis après, on fait juste interchanger. Je viens de finir mon tressage. Puis maintenant, il faut relier et il faut couper les bouts, pas trop proches, comme ça. Et maintenant, il faut les brûler. Et voilà un de mes bracelets de survie.